Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. La justification est reliée à ce que Christ a accompli dans le passé. L'intercession correspond à ce qu'il accomplit dans le présent. Considérez les choses sous cet angle. La réalité des affections de Christ a été constante à toutes les époques. Son cœur, qui battait pour son peuple lorsqu'il était ici-bas, ne s'est pas arrêté de battre pour lui une fois qu'il est monté au ciel. La miséricorde l'ayant conduit jusqu'à la croix, ne s'est pas transformé en indifférence. Son cœur l'attire tout autant à son peuple maintenant qu'au cours de sa vie incarnée. Par ailleurs, son intercession constante en faveur de ce dernier témoigne de ses affections envers lui. L'intercession met en œuvre ce que l'expiation a accompli. L'actuelle intercession de Christ en notre faveur reflète la plénitude et la victoire de son œuvre terrestre, et non le fait qu'il manquerait quoi que ce soit à cette dernière. L'expiation a accompli notre salut. L'intercession constitue l'application, instant par instant, de cette œuvre expiatoire. L'intercession de Christ reflète les implications personnelles et profondes de notre salut. Si nous étions informés quant à la mort et à la résurrection de Christ, mais pas en ce qui a trait à son intercession, nous serions tentés de percevoir notre salut en termes outrancièrement axiomatiques. Notre salut nous semblerait plus mécanique que conforme à la véritable identité de Christ. Son intercession en notre faveur reflète ses affections, celles qui l'ont animé tout au long de sa vie, et qui l'ont amené jusqu'à mourir pour son peuple. Ses affections s'expriment actuellement par sa défense constante de son peuple auprès de son Père et son intercession, le priant de nous accueillir favorablement. On néglige de nos jours la doctrine de l'actuelle intercession de Christ. C'est dommage, car il s'agit d'une vérité réconfortante, venant tout droit du cœur de Christ. Si la doctrine de l'expiation nous rassure quant à ce que Christ a accompli pour nous dans le passé, celle de son intercession nous rassure quant à ce qu'il accomplit dans le présent. Si vous êtes en Christ, vous avez un intercesseur, un médiateur contemporain qui célèbre joyeusement avec son Père la merveilleuse raison qu'ils ont de nous accueillir de tout leur cœur. Notre impiété est extrême, mais Christ nous sauve parfaitement. Et son salut distancie et vainc toujours notre impiété, du fait qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur.